Mais qui est cet homme qui a une arme? Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose ne va pas? Tu m'as frappé, moi! Tu vas me le payer très cher! Allô? Allô, Ragbir? Allô? Allô? Ragbir! Ragbir! Pragati, je peux t'entendre clairement. Que veux-tu me dire? Ragbir, tu m'entends? Écoute, je...
Allô ? Ragbir ! Qu'est-ce qu'il y a, Pragatier ? Ragbir, écoute, je... Que se passe-t-il ? Allô ? Pragati ! Laisse-moi partir ! Pragati, qui est là ? Laisse-moi ! Non ! Allô ? Lâche-moi ! Tout le monde doit être au temple maintenant. Où est-ce que Ragbir se rend si soudainement ? Je suis l'envoyé de la mort. Tu as commis une grosse erreur en me frappant, ma chère. Je vais te faire subir une mort si pénible que tu... Pragati, parle, voyons. Allô ? C'est ici que Nakul garde son téléphone. Mais où ? Dieu merci, je l'ai eu. Allô, inspecteur ? Quelqu'un est entré chez moi et il essaie de m'assassiner. Veuillez venir rapidement. L'adresse ? Ah oui, maison Malotra. J'en ai assez de ton jeu de cache-cache. Tout ça, c'est terminé maintenant. Tu vas mourir, maintenant.
Ragbir ! Ragbir ! Des cendres du vermillon, c'est toi qui me le mettra. Ragbir ! Ragbir ! Ragbir ! Ragbir ! Ragbir, lève-toi, Ragbir ! Ragbir ! Tu as assassiné mon mari ! Ne ferme pas les yeux, d'accord? J'ai déjà prévenu la police, elle devrait arriver, hein? Non, 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 Ragbir! Ne ferme pas les yeux, s'il te plaît, ne ferme pas les yeux! Tout va bien se passer! Mais... Ragbir! Pourquoi avoir fait ça? Tu aurais dû me laisser mourir, tes yeux! Non! Pourquoi t'es-tu mis au milieu? Pourquoi? L'amour est une mauvaise chose, à vrai dire. Il est mourant, mais... Vous ne cessez de parler d'amour, tous les deux. Si tu oses toucher un cheveu de Ragbir, je vais te le découper en morceaux, tu as compris? C'est mon travail de tuer. Ce n'est pas le tien. Et c'est moi qui décide de quand et comment. Et qui vais-je tuer aussi? Tu peux t'occuper du reste. Sas, tu étais allé au temple, n'est-ce pas? Ragati, j'ai vu Ragbir faire demi-tour à mi-chemin, alors j'ai pensé que c'était important. C'est pourquoi je l'ai suivi avec ma voiture. Toi, la fille, pose donc ce couteau et viens avec moi. Si tu essaies de faire ta maligne, je vais presser le détonateur de la bombe. Et si jamais cette bombe explose, il y aura une si grosse explosion que tous ici, vous vous retrouverez en pièces détachées. Pose donc ce couteau et viens avec moi. Il ne reste que 15 minutes avant l'explosion. Tu pourras sauver ta vie ainsi que celle de ces deux-là. Alors prends ta décision. Et surtout réfléchis bien, car une fois que je serai parti d'ici, tu n'auras plus le choix. Je compterai jusqu'à 5. 1. 2. 3. 4. On dirait bien que tu veux mourir aujourd'hui, avec ces deux-là. Alors meurs. Non, non. Je vais venir. Je vais venir. Désamorce d'abord la bombe. Je vais venir. Viens donc d'abord ici. Ensuite, j'enlèverai la bombe. Non, Pragati.
Ne l'écoute surtout pas. Sauf toi, d'ici, allez. Tais-toi. Elle a dit, d'accord. Ouais. Si tu oses poser la main sur elle, je te jure que je vais te tuer. Mais c'est vous deux qui allez mourir. Allez, viens. Allez, fais vite. Allez, viens vite, allez. Bragadi. Bragadi n'y va pas. Non. Allez, viens vite, viens vite. Ragbir. Non. Ragbir. Non. Non. Allez, fais vite, fais vite. Allez, viens vite. Non, Bragadi, non. Laisse-la s'en aller. Écoute, je vais venir avec toi, oui. S'il te plaît, retire cette bombe. Tu prétends être naïve, hein? C'est ça. J'étais venu pour te tuer, et toi? Tu as fini par avoir confiance en moi. Laisse-moi te dire une chose. Je sais comment amorcer une bombe. Et je ne sais pas la désamorcer. Et maintenant, tu devras mourir. Bragadi. Bragadi.